Allez! Allez, 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 allez! On va voir ce que ça donne. Lucina Ugod, c'est pas mal du tout. Lucina Ugod, pas du tout, non, 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 Lucina Bowser, Lucina Bowser. Alors j'ai vu ce match-up là, un certain nombre de fois avec Etaelis et Gogesta. Sur les tournois, surtout par contre. Je les ai vus, donc bon. Bon, ce qu'il en est, hein, c'est que c'est globalement pour Lucina le match-up, hein, clairement. Parce que, bon, la pressure on-shield de Lucina, on la connaît, sa Primeota, on la connaît. Bowser n'a pas de quoi répliquer. Par contre, effectivement, s'il se passe des choses comme ça, moi, je peux plus. Hein, là, ça reste Bowser après, hein. Ça reste Bowser. Tu peux pas tout faire théoriquement avec Bowser, hein, malheureusement. Ça va bien revenir, le smash qui n'a pas suffi à tuer. On a eu deux whiffs de grab chacun de leur côté, hein. C'est bien ça par contre, Ugod là qui est un pote, qui va aller trap tranquillement. Les flammes ça va être roll. Le B ici pour être sûr de punir, mais bon. Ça ne va pas suffire. God... Non, dommage Ugod. Dommage Ugod. Eh bah pas de chance. Pas de chance Ugod. Là c'est... non c'est dur. Là c'est dur. Ok. Ici, oh le petit fer ici, évidemment le petit power de Bowser. Insane. Et il va pouvoir continuer à gratter des pourcentages avec son fire breath. Et bon là ouais, t'avais trop fast fall, passé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il donne le stage. C'est gratuit, il donne le stage. Ah non, c'est pas grave. Le petit auto qui va passer évidemment sur le grab, hein, la seule moment où ça peut passer. Ok, oh là là, mais il y a beaucoup d'interactions qui se font spot dodge. Là, les spot dodge c'est fort apparemment, si j'ai bien compris. Hein. Ok. Bon, pour l'instant, c'est bien Ugod là qui, pour l'instant, domine totalement le match. Hein. Là, il a une grosse avance, une stock entière. Ouais, ça va B ici haut pour revenir. Dommage, pas assez de patience, mais il avait la bonne read. C'est bien, ça se punir. Et le forward air! Et ça va tuer évidemment. Forward air, il a un excellent edge guard, hein, Bowser. Et ça tue 1-0 pour Ugod. Bien joué. Alors la Lamer qui est là. Est-ce que Swissops est là? Swissops, tu peux totalement revenir dans l'arène. Et rejoindre le ring en attendant la fin de ce match. De ce match là. Tu as le droit. Apparemment il n'y avait pas les bons inputs pour Morpi apparemment. Aïe aïe aïe. Ah c'est triste. Et bah Ugod qui va partir sur une Samus, ma foi. La Samus de Ugod, je sais même pas qu'elle existe. Du coup, on a profité pour changer de skin. Il a pris quelque chose de vert. Pas super beau ce skin, je sais pas si c'est en référence à quoi. Mais. Hein. C'est pas grave. Du coup, le match-up, là par contre, j'avoue que là je ne le connais pas, je sais pas qui c'est qui. Je vais piffer un Heaven parce que je trouve que les deux persos sont forts et ils peuvent répondre aux offensives de l'autre. Lucina peut passer outre le zoning de Samus. Enfin, je pense, je suis vraiment pas un expert des deux personnages, je connais Samus très vite fait. Lucina, je sais que c'est craqué, mais c'est tout quoi. J'ai pas étudié la question et c'est bien triste. Ouais, Ugod qui va devoir essayer de ledge trap comme il peut. Peut-être, mais je sais pas. Là j'essaie de réfléchir. Et bon c'est bien ça par contre, c'est un très bon ledge trap. Je me dis que oui, peut-être que les stocks d'Ugod ça va surtout être sur du ledge trap. Parce que Samus est extrêmement fort là-dedans. Et je suis pas sûr que en air to air il va pouvoir gagner face à Lucina. Je suis pas sûr que sur les smash ça va pouvoir être trouvé dans le neutral comme ça. Donc ouais, j'imagine que le ledge trap ça va être la solution toute trouvée du god pour y aller. Même si par contre ce ZR
et d'une qualité. Oh, oh là là, si fort. Ça a voulu faire double nerf. Malheureusement, c'est comme ça que tu vas perdre ta stock parce que tu vas te prendre le B qui va t'envoyer de l'autre côté. Ça, c'est bien triste. Et du coup, oh, c'est bien ça, ce backer. Malheureusement, il passe en sweet spot. Ce ZR est si bon. Il est si fort, ce grab. Par contre, Hugo, lui, pourquoi t'as fait ça? Bah pourquoi il a fait ça? Oh là là, Hugod. Hugod, plutôt Morpi. Morpi là qui choke un petit peu, hein. Morpi qui choke. C'est triste. Bon, on va voir ce qu'il en est, hein. Bah, du coup, ça fait une bonne stock d'avance pour Hugod. D'ailleurs, paf, paf, voilà. C'est des mauvaises touches. Mais non, il a les bonnes touches, là. Là, il y a les bonnes touches, c'est obligé. Dommage, il avait la ride, il aurait pu faire préfère ou même voir nerf en prévention. Hein. Faudrait qu'il charge son charge shot. Parce que. Ouais, oh, quoi que c'était bien vu ça. Non, la Samus du God, elle est vraiment pas mal. Petit River, tranquillou. Dommage, le Diablo qui passe pas. Le Bakar qui aurait pu y aller. Hein. Ok. Ah, le wall jump qui n'était pas voulu, je pense. Évidemment que ça va prendre la stock sur cet edge guard totalement free. Ouais, le super missile là qui va mettre 152%. Ouais, le charge shot qui est là. Voilà, là il veut. Bah oui. Dommage parce que c'est le setup shield break, c'est super missile charge shot et pas down B charge shot. Sauf si c'est déjà endommagé le shield, bien sûr. Ok. Qu'est-ce qu'on a de beau ici pour finir. J'imagine que c'est quand même Hugo qui va l'emporter. Oh, c'était bien vu, mais malheureusement, ouais, le nerf, ça va tuer. C'était bien vu, c'est super bien vu, malheureusement, le charge-shot qui était trop petit. Mais non, franchement, c'était un super bon setup, ça. Allez, je coupe le record ici.